Coucou les anges. Alors nous revoilà dans une nouvelle vidéo. T'as fait quoi? Et aujourd'hui, on se promène à Bruges. Elle s'amuse avec ses lunettes. Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de quitter notre chez nous pour venir faire un tour à Bruges. Oui. Et c'est où Bruges? Bah, à la mer. Près de la mer. Bah non, c'est pas à la mer, c'est près de la mer. Donc voilà. Donc, il y a les cloches, vous entendez? Ding dong. Il y a les cloches, vous entendez? Et là, ben, on va aller visiter la ville de Bruges et vous montrer les choses typiques, comme les choses nouvelles. Enfin bon, je vais arrêter de parler. On y va. Alors ici, on est dans la rue, une des rues, il y a plein de magasins. Certains sont encore fermés parce que ça s'ouvre qu'à une heure. Et sinon, ben, on l'entend plus. On entendait les carillons du grand... Ben, je vous dirai ça quand j'arrive, comment ça s'appelle. Et sinon, ben, Bruges, c'est un peu comme Gand. Les maisons sont style anciennes de cette époque-là et j'essaierai de vous montrer ça. Oh, il y a un magasin ouvert. Ouais. En plus, c'est un magasin avec plein de choses intéressantes. Bah, Mélissa est déjà partie. Donc voilà, je me suis encore fait avoir. Je recommence. Donc voilà, je me suis encore fait avoir. On est rentré dans le magasin, mais c'est pas pour moi, hein. Et ils sont beaux. Non, toi, tu manques un seul troisième. Il y en avait trois, mais il s'en met deux. Papa essaye le troisième. Il tire, pouf, toutes les perles par terre. Heureusement que j'ai du fil à la maison, que je peux en refaire un, hein, mais je voulais le mettre. Voilà, j'ai rien. Toujours pour la même. Mais t'as quand même des bracelets, hein. Faut pas râler. Ouais, mais ceux-là, ils sont vieux. J'ai besoin de nouveaux. Ma tapis pour toi. Ben non. Ben, si. Et il y a quelque chose là sur la place en fait. Ben, oui, là on arrive au centre. Tout en ceux. Ça a l'air d'un truc de concert. Là on arrive au centre où il y a vraiment toutes les. Comme à la grande place quoi. Toutes les vieilles maisons comme ça, mais vraiment typiques de Bruges. Et on ne nous voit pas. Pourquoi je suis. Ah ben oui. Alors désolé si vous ne voyez pas bien, c'est parce que j'ai mes réglages qui ont bougé. C'est un peu mieux. Ah oui, il devait y avoir un concert. Y avoir un concert ou va y avoir un concert? Je parle français là? J'ai un doute. Donc voilà, là on est sur la place centre. Et là, vous pouvez voir, il y a par exemple... Et il y a un concert qui va commencer, enfin un orchestre quoi. Donc je vais vous parler tout de suite, je pense pas qu'on entendra. Et donc vous voyez à Bruges qu'on peut voir, là-bas, si tu te mets la tête devant, là, les calèches. Et là on entend un concert. Et donc là en fait on est sur la place où il y a vraiment les anciennes maisons comme là. Alors en fait, ce que j'aime bien, moi personnellement, ici à Bruges ou à Gand, c'est quand on voit les maisons, je ne sais pas de quelle époque elles sont, mais quand on voit les maisons, c'est ce style d'escalier comme ça. Je vais essayer de vous montrer. Là, vous voyez? Ça fait des styles d'escalier. Et je sais pas, je trouve ça... Ah, et là, on entend le carillon. Alors ici à Bruges, normalement, il y a des endroits où on fait de la dentelle. On est sur la rue, là.
qu'il y a les vélos partout à Bruges. Et donc, en fait, à Bruges, ce qu'il y a, c'est la dentelle. Avant, quand j'étais petite, bon, oui, c'était avant, il y avait des magasins avec des dames qui faisaient de la dentelle et des choses comme ça. Et maintenant, on en trouve de moins en moins. Parce que les gens n'achètent plus la dentelle. Pourtant, c'est tellement beau. Donc, voilà. Là, vous entendez la musique. Et Mélissa qui danse. But I'd never say goodbye or ever leave this stuff behind. Si j'avais eu un cartable comme ça quand j'étais petite, eh ben je me serais crue dans l'espace. Il est bling bling. Tout derrière là-bas, le brillant. Mmh. Celui-là. Là, là. Il y a un gros ours. Oui, mais pas ça quand j'allais à l'école. Il y a un gros ours en maillot. Mélissa a vu un ours en maillot. When it's good, it's amazing. When it's bad, it's amazing. Et que t'as ce nid, il faut mettre un enclos parce que sinon ce nid, il saute dans l'eau. Oui, parce qu'ici on est arrivé dans une petite rue où il y a les maisons d'un côté, oui, les maisons de l'autre, mais entre il y a ce ruisseau. Je sais pas si on appelle ça un ruisseau ou des canaux, je sais pas. Ah, les canaux, c'est là où il y a des canaux qui passent. Et vous imaginez, vous êtes dans votre maison, vous n'avez pas de jardin, mais vous avez la petite terrasse, là. Oui, une piscine. Là, elle est là. Mais alors, quand vous invitez des gens, dites-leur bien de faire attention de ne pas tomber dans l'eau. Hein, parce que regardez. Ouais, parce que sinon, ça finit la fête dans l'eau. Allez, j'arrive pas à vous... Là, il y a une table. Mais c'est vrai que c'est spécial. Ah ben là, ils ont quand même mis un clos. Ils ont fermé avec des... Voilà, là. Là, ils ont fermé. On se pose une question. Regardez, il y a des bateaux. Je me retourne et c'est bloqué. Donc ils viennent ici, ils font le tour, puis ils repartent. C'est fou. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ben, ils ont de la place pour tourner hein, en même temps, mais bon. Là, comme ça, ils auront tout vu. Même le mur. Voilà, il a fait demi-tour. Ah, voilà, l'autre l'a fait demi-tour là-bas. Lui, il n'est pas allé jusqu'au bout. Ici, il va jusqu'au bout. Il est dans un cul-de-sac. Regardez la râleuse. Elle est partie sans moi. Mais... Ta faute, c'est à ton tour. Allez, je t'attends. Voleuse de Cameroun. Oui. Vous voyez, elle vous vole la... elle vous vole, non. Elle me vole la caméra, mais je ne sais pas quoi dire. Elle est là. En été, avec les touristes... Les terrasses, c'est bien. Mais les cigarettes, s'il vous plaît, les gars. Pour les gens qui fument pas, c'est pas top, hein. Et ici, on s'est arrêté devant une plage sans sable. Tu peux aller dans l'eau. C'est trop fun, regardez. Une plage à Bruges. Mais c'est pas mal, hein, n'empêche. Je suppose que tu peux aller dans l'eau, mais qu'il y a un truc là. Et c'est fun, hein. When it hurts like this. Vous voyez, ça c'est aussi typique des petites terrasses donc au bord de l'eau. Ça, on voit qu'à Bruges. À Bruges, il y a tellement des petits. Moi aussi, je suis typique. Typique. Il y a vraiment des trucs d'eau, donc ils placent leurs restaurants et leurs maisons aux abords. C'est fun, hein. Je trouve ça mignon. Alors oui, pour info, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a
L'année passée, on était venu ici à Bruges pour faire une vidéo sur le musée du chocolat. Et de la frite. Et le musée de la frite. Donc on mettra ça sur le petit i ici ou là. Comme ça, non? Ou en barre d'infos. Et je vous mettrai les liens de la vidéo. Parce que ça peut se faire aussi. Le musée du chocolat, c'est chouette. Et le musée de la frite aussi. Donc. Et vous pouvez combiner les deux. C'est pas très loin. Donc vous pouvez prendre le musée du chocolat en prix avec le musée de la frite et faire les deux sur le même jour. T'as quelque chose à dire? Non, je suis venue ici. Et le monsieur a failli casser les choses. Petit magasin antiquaire qui devient encore rare partout aussi. Voilà. Là, ici. Un antiquaire qui vend des antiquités et là un magasin de dentelle. Un moustiquaire. Un antiquaire. Et là le magasin de dentelle. Magasin de dentelle. Ah, ce que j'aime bien ici en fait. Oui, je l'aime bien mais j'ai jamais acheté. C'est les petits parapluies comme ça en dentelle. Mais j'ai jamais acheté parce que je sais pas où je le mettrais. Là ça peut servir à faire des photos. Trop petit. Celui-là. Ouais, peut-être, bon. En fait, ici, on est dans le monde de la bière ou quoi? Il va où, là? Toutes les bières. On trouve la grosse Bertha, la Carolus, la Gauloise, la Gordon, la Forestine Gothica. Là. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'as vu la Gordon? Oui. La Duval. La Duval. When it hurts like this. Alors on est passé devant Chocolic. Et qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté ça, un boulon en chocolat pour papa. Et alors une galette de riz en chocolat pour moi. Le paquet est ouvert, je te signale. Ouais, il était tout. Oui, mais tiens bien alors. Le chocolat va se retrouver par terre comme les perles. Et bien sûr, le sac est pour maman. Mais il est pas en chocolat, lui. Hein. Non, c'est moi et papa les gourmands. Ah, tu l'avoues? Et de nouveau de la bouffe dans cette vidéo. Oui. Si vous allez manger du chocolat, vous êtes du chocolat, oui, du chocolat, vous êtes happiness. Donc là, j'en ai pas mangé, donc je suis pas heureuse. Je veux aller voir le musée de la torture. Mais non, je veux pas aller voir le musée de la torture. Allez, s'il te plaît. Mais non. S'il te plaît. Mais non. S'il te plaît. Vous vous rendez compte, elle veut aller voir le musée de la torture. Oui. Ah, le musée de la torture, oui. La torture. Un bâton. C'est bon. Pour tenir le bâton comme ça. Elle m'a eu. Voilà,
c'est ici que la vidéo va se terminer tout doucement. Ah oui, encore un truc que je ne vous ai pas dit. Si vous n'avez pas de voiture, ben la gare est très près. Hein. La gare est là, donc la gare est à 5 minutes de la ville. Donc il n'y a pas de souci. Bon, ben, je vais vous dire au revoir toute seule. Hein. Aïe. Ben, tu te fais toujours par là. Elle m'a fait mal. Donc, on vous dit à très bientôt. Non, on vous dit à très bientôt. On va quand même d'abord vous dire. On espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais. Que nos explications vous auront envie de venir voir. Si vous voulez une balade découverte, bah, n'hésitez pas parce qu'il y a des musées. Le musée de la torture. Ouais. Il y a des musées. La ville est chouette. Vous pouvez faire des balades en petit bateau. Et il y a plein de terrasses pour manger, pour boire. Quand il fait beau, c'est génial. Mais ça doit être beau en hiver aussi. Et il faudrait le faire en hiver. Donc on vous fait plein de bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Bye. Pour le bye. Je sais encore toujours pas ce que c'est, mais bon. Non, ici tu dois dire bye. Dash. Ta. Toutes.